Aujourd'hui, on est un nouveau jour, c'est un jour merveilleux. Pourquoi? Parce qu'il y a une bonne musique. J'ai envie de te faire des vidéos de playlist, ça fait au moins un an et demi que j'ai pas fait, je suis folle. Et j'ai trop de playlist. Bref. Pourquoi c'est un jour merveilleux? Parce qu'il n'y a pas de caca dans mon salon. Yeah! Les petits plaisirs de la vie, n'est-ce pas? Non, c'est un jour merveilleux parce que je me suis réveillée ce matin et que j'ai mangé un gros bol d'açaï, sa mère. C'était incroyable. Incroyable. Tout le monde devrait manger de l'açaï pour être plus heureux dans sa vie. Pourquoi c'est un jour merveilleux? Parce qu'aujourd'hui, ah non, il n'y a pas de soleil, il fait froid. Et c'est les jours qui me dépriment. Je suis pas déprimée en mode... Je suis déprimée en mode... Je suis moins énergique. Ça joue beaucoup sur moi le soleil. Je te le dis chaque fois. On se connaît par cœur maintenant toi et moi parce que je te raconte vraiment tout dans ma vie. Et je redis les choses. Mais vraiment, 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 ça joue sur moi. Ce qui est triste, c'est que du coup, je vais pas faire des choses. Ah, bébé. Aujourd'hui, je vais monter des vidéos. Eh, faut que je te montre le bordel dans mon lit. Faut que tu saches que je dors comme ça. Dans mon lit, il y a genre mes livres, mes cahiers, la Kindle. Non, parce que j'ai fini un livre d'ailleurs hier soir. Très bien. Le bal des folles. C'est un livre chouette que j'ai trouvé un peu trop court et qui m'a été inspirée par une meuf qui me suit sur Instagram qui a. Donc j'ai liké la photo parce qu'elle a mis ce livre, ça avait l'air cool. Bref, il est vraiment cool. Alors c'est quoi le programme d'aujourd'hui ma gueule? C'est un jour merveilleux parce que aujourd'hui je vais monter beaucoup de vidéos. Et je vais travailler beaucoup. Voilà. Ça avance son projet? Pas trop. C'est vrai? C'est quoi? C'est de la viande? C'est je sais pas c'est quoi, j'ai inventé une recette en fait. Mais la matière c'est quoi? Des lentilles. Ah attends. Et ça marche le système de cuisson? Je crois que ça marche, je crois. Mais j'arrive pas à faire ce que je veux. Normalement tu vois ça devrait être un petit comme un idée, tu vois, le lentille. Ah. Mais c'est pas trop ça. Bon, on a inventé cette machine à vapeur. Il a fallu deux gros cerveaux pour faire ça. Donc là, un cuiseur, un machin comme ça, une serviette et bam, ça s'appelle le talent. Ça marche pas trop. Bon, je vais tester le premier truc que Raj l'a fait. Ça, il dit, oui. Bon, déjà la consistance c'est pas vraiment la consistance d'un... Ça s'appelle comment, igli? Ouais. Ça va? Non, c'est pas bon. Si je mettais du requeijon, ce serait bon. On peut mettre du chutney ou quoi? Là, je vais goûter aussi. Ah, t'as pas goûté? Un peu, mais... Mais il y a quoi dedans? Du riz. Que du riz. Mais qu'est-ce que t'as fait en fait? C'est de la... J'ai fait une pseudo farine de riz. Mmh. Et chauffé à vapeur. C'est spécial. Non, mais c'est un peu bon quand même. Alors je voudrais te faire un petit update sur le caca dans la maison pour ceux qui n'ont pas compris, qui savent pas. On a été inondé hier par les égouts de la rue et c'était de la merde. Et la maison, on s'est réveillé à 6h du matin avec de la merde partout dans notre maison. C'était trop bien. Je t'invite à voir l'épisode précédent. Et en fait, normalement, il faut des jours et des jours et des jours avant que la ville fasse quoi que ce soit. Et là, il semblerait que la ville soit en train d'essayer de régler le problème. Hier, les gens de l'eau sont venus dans la rue pour voir d'où ça venait. Ils sont re devant la maison là. Et ce qui semblerait qu'il se passe, c'est qu'en fait, il y a
le canot des égouts, qui normalement fait sa life, le canot où passe l'eau des pluies. Et en fait, il semblerait qu'il y a un endroit où, devant chez nous, où il se retrouve, et quand il pleut trop, bah, ça explose, il y a trop de débit. Donc en fait, l'eau de la pluie, elle pousse toute l'eau des égouts chez nous. Et ça passe en fait sous les plinthes de notre maison. C'est super bizarre, c'est dur à expliquer. Mais en gros, ça inonde toute notre maison. C'était là. Ouais. Et c'est depuis que j'habite ici la troisième inondation comme ça que j'ai vécu. Il y en avait une très 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 grosse où visiblement il y avait. Non, son mari m'a dit ça de merde dans la maison, dans toute la maison. C'est terrible. Et là. C'est hyper animé pour des mecs qui veulent régler des problèmes d'égout. Je les trouve super enthousiastes, mais tant mieux. Oh, il y a des relents d'égout là. Ah, oh, ça me dégoûte, ça me rappelle hier. Pire qu'il y a 24 heures. Ah. Oh. Il y a 24 heures, je pataugeais dans cette merde. Déjà, les mecs sont vraiment pas graves. Et sont en mode endormissage. Genre, là, ils essayent de l'endormir, ils disent de la merde pour eux. Soit disant ce qu'ils vont faire à Anna. Mais en vrai, ils vont faire des trucs, si j'ai bien compris. Et attendre de voir si ça se reproduit. Là, Jean, il s'excuse d'avoir mal parlé à Sandra ce matin. Il dit non, mais c'est parce que j'étais concentrée dans mon travail. Nanana. Un bisou. Raj, il a fait un plat où il a tout fabriqué de A à Z. Le riz, le fromage, tout. Attends, je vais essayer et donner mon avis. Objectif. Il y a du sel ? Un peu. Mmh, c'est bon. Très bon. Très bon. C'est bon, Raj. Hein. C'est ouf, tu lui aimes trop bien. T'es vraiment un homme à marier. On a trop bon le fromage. C'est dommage que ce soit aussi long à faire, qu'il n'y en ait pas beaucoup. On en a plus chaque fois. Mais là, il y a une brique de lait. Il y a une mixtura pour dos. Je ne vais pas tricher. Oh. Moi, j'aime bien tricher. Mais t'as pas le droit de changer. La personne qui a 6 et 6, elle met le premier domino. Et devine qui c'est ? Mais pourquoi tu décides ? Bah c'est les règles. C'est la personne qui a le plus gros domino. Ça. Non ? Et la personne qui était en maillot domino qui est c'est beau tas. Et au tenu 6-6. Non, parfait. Ouais, c'est ça. Mais non, tu t'en mets. Par hasard. Mais je... non, j'ai pas dit. Non, la personne qui a 2 et 2 joue. Non, mais non, tu dois mettre un 6 là. Tu connais vraiment pas les règles. Non, tu veux le prendre. Non, tu triches. Non, pas, non, non. Non, tu triches. Tu l'as pris, tu l'as pris. Je l'ai pas pris, j'ai regardé. Oui, tu l'as pris. Tu ne peux pas la regarder. Allez, tu reprends ton domino, espèce de trichouillard. C'est un tricheur. Sandra, il est en viande aussi. Les langoustins, il est en boutonde. Horrible. Prends-en un, la tricheur. Je te souhaite qu'il n'y ait pas de 6. Je l'ai pas vu. Je te jure, toi, pour que je te fasse. Je te jure, je l'ai pas vu. Vas-y, vas-y. Voilà, prends-le. Non, non, non. Je l'ai, non, je l'ai, pourquoi pas tu me montres. Non, tu prends. Il faut aller. Je l'ai pas vu. Ok, prends-en d'une fois. Voilà, tu le prends, tu l'as touché, tu le prends. Tu l'as touché, tu le prends. Tu sais ce que tu fais? Tu me manipules, c'est pour voir dans mon regard s'il y a un 6 ou pas. Moi, je rentre pas dans ton jeu là, tricheur. Ça a marché dans ta jambe. Je jure quand même. D'ailleurs, on aime cette règle. Non. Le poker domino. J'ai gagné! On fait avec mes règles maintenant. C'est quoi ta règle? On peut montrer sa carte à l'autre. C'est pas mal. Tu gagnes ? Bien sûr ! Wouh ! Ah ben bravo ! Raj-ma-toi, plante ! Raj, il a essayé d'assassiner cette plante. C'est terrible. Parce que tu as triché.
Matador. Bonjour, bonjour. Non, je fais pas ça, je m'en fous, je regarde pas ton truc. C'est la règle. Il n'y a pas de règle. Non, tu triches. Mais tu l'as pris dans ta main. Non, tu l'as pris dans ta main. On n'a pas dit. Tu triches. Arrête de tricher. On a dit qu'on jouait avec ma règle. On joue pas. Elle est pétée ta règle. Si. Allez. Bah, je m'en. Allez. La règle, c'est que tu peux regarder mon truc. Ah, super. Donc il faut un 6 ou un 1, on est d'accord. L'été est gris. Non, petit poil et vert des... Oui, le vélo. Merci. T'es prête ou pas? Ouais. T'es sûr? Oui. Ça en va. Já? Não, é eu tô colocando o meu. Um, dois, três. Tu déménages? Tu fais quoi? Je fais un studio. Donc après la cabane, studio vidéo, c'est ça? You say I'm a dreamer. I don't know the one you want. On a récupéré notre matelas qui fait 10 fois la taille de Sandra. Yoga était yoga. Quand vous voulez coucher et la salle est prête, faites comme chez vous. T'as entendu, Raj? Si tu veux coucher, fais comme chez toi. Oh, je sens félix et tantôt, son corps a dû passer. Oh, je sens félix, félix. Je sais pas ce que c'est.